reborn. Chaos reborn. Ha! Wow. Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Reborn. La fête Tiberius soir prend de l'ampleur et les gens ne font que parler. Par exemple, ces temps-ci, les gens sont en train de dire que ils ont remarqué que Tiberius soir de son vivant n'utilisait pas le nom de Jésus. Genre, il ne chassait pas les démons au nom de Jésus. Et pour certaines personnes, ça c'est un signe. C'est un signe qui montre que il n'adorait pas vraiment le vrai Dieu. Et que ce n'était pas un vrai prophète. Et qu'il faisait ses miracles par un autre Dieu. Ha! Et vraiment, c'est devenu un vrai souci. Un très, 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 très vrai souci même. Et pour certaines personnes, ça c'est un signe à ne pas négliger parce que Jésus est censé être celui que nous devons suivre. Et si nous suivons un autre Dieu, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que les gens ont raison de le dire? Maintenant, est-ce que vous connaissez Tiberius soir? Est-ce que vous avez déjà regardé ses vidéos? Est-ce que vous avez constaté cela aussi? Parce que certaines personnes disent que quand Tiberius soir veut parler du Seigneur, il ne fait que dire le nom de Emmanuel. Emmanuel, au point où il a créé une chaîne de télévision qui s'appelle Emmanuel TV. Et les gens vont plus loin pour dire que si Tiberius soir ne dit pas le nom de Jésus-Christ, c'est parce qu'il n'est pas abonné au royaume de Jésus-Christ. Hein? Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Est-ce qu'il a peur de dire le nom de Jésus-Christ? Ou bien le nom de Jésus-Christ ne marche pas? Peut-être que s'il dit Jésus, il ne va pas voir le miracle s'opérer. Donc, il préfère dire un autre nom. Ou dire autre chose. Mes frères et sœurs, vraiment, ne soyez pas dans la confusion. Ne soyez vraiment pas dans la confusion. Ne soyez pas perdu. Écoutez-moi bien. Le nom de Jésus-Christ, effectivement, c'est un puissant nom. Je ne dis pas que c'est un grand nom. Hein. Je dis que c'est un puissant nom. Le nom de Michael Jackson, c'est un grand nom. Le nom de Drake, c'est un grand nom. À cause de peut-être les exploits que cet homme a fait, que vous avez vu et que vous n'avez peut-être pas vu. Mais quand on dit le nom de Jésus-Christ, c'est un puissant nom. C'est que c'est un nom qui est capable de chasser les démons, de chasser les mauvais esprits. Même quand les mauvais esprits, les plus grands démons, les démons géants, sont face à ce puissant nom-là, eux, ils se prosternent. Vous voyez? Donc, c'est un nom qui n'est pas comme tous les autres noms. Quelqu'un peut se lever le matin et va dire, « Oh, je m'appelle Jésus-Christ. » Il va dire, « Oh, je m'appelle Jésus. » Mais le Jésus dont je vous parle là, le Jésus-Christ dont je suis en train de vous parler là, celui-là, quand vous dites son nom et que vous vous trouvez dans le monde spirituel, ce qui se passe, c'est que ce sont les bombes qui descendent là-bas. Il y a mouvement. Parce que c'est un nom qui a été choisi par Dieu lui-même afin qu'on utilise ce nom-là pour sortir des problèmes, pour chasser les démons, pour combattre les sorciers, pour combattre les mauvais esprits. Du coup, quand vous êtes en esprit, quand on vous attaque et que vous dites le nom de Jésus-Christ, tout ce qui est en esprit autour de vous doit fuir. C'est là le nom de Jésus-Christ il est puissant. Sinon, à part ça, vis-à-vis comme ça, c'est-à-dire terre à terre comme ça, c'est-à-dire sur le terrain comme ça, vis-à-vis un vous de moi, c'est-à-dire dans ce monde où nous sommes, qui n'est pas le monde des esprits là. Ici, là, ici, même un grand sorcier peut prononcer le nom de Jésus-Christ sans problème. Sans problème. Même un grand sorcier
peut prononcer le nom de Jésus-Christ sans problème. C'est-à-dire, il peut dire Jésus. Il peut même prêcher, il va dire, oh, Jésus est bon, oh, Jésus est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Mais il n'y croit pas. Donc, ça n'aura pas des effets. Il n'y croit pas. Ce qu'il dit là, ce n'est pas ce qu'il croit. Et il y a plein de gens comme ça dans l'église hein, qui ne croient pas en Jésus-Christ, mais qui prêchent. Quand ils prêchent, vous êtes content. Vous, quand ils prêchent, vous dites, hé, le monsieur là prêche, d'un. Mais il ne croit pas en Jésus-Christ. Dans son cœur là, c'est un autre Dieu. Dans son cœur là, c'est une autre personne que lui, il aime. Que lui, il chérit. Que lui, il adore. Donc s'il dit Jésus dans le monde physique ici, ne serait pas étonné. Si elle se dit Jésus-Christ étant un humain ici, ne serait pas étonné. Mais dans le monde des esprits là-bas, là où se donne rendez-vous en esprit, là-bas, il ne peut pas dire le nom de Jésus là-bas. Parce que ça a des effets. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, que Tibet soit dit Jésus ou pas, vraiment, étant dans ce monde physique, ça ne lui fera ni chaud, ni froid. Il peut dire le nom de Jésus-Christ. Vous voyez, non? Donc, ça, là, n'est pas le problème. Il peut dire le nom de Jésus-Christ sans problème même. Sans que rien n'arrive. Mais, que ce soit un signe pour vous, afin que vous puissiez découvrir qui sont les faux prophètes. Qui sont les faux prophètes? Et comment les faux prophètes vous enseignent les doctrines des démons et vous conduisent vers d'autres dieux. Si vous avez remarqué que un pasteur ou bien un soi-disant homme de Dieu prêche, il parle beaucoup, mais vous voyez que il dit un autre nom que le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand il parle là, il peut souvent dire Jésus, il peut parler un peu de Jésus, mais il parle peu de ça. Mais il dit beaucoup de fois un autre nom. Ce nom appelle peut-être Emmanuel. Emmanuel. Vous voyez, non? S'il dit cela beaucoup de fois, et que vous-même, là, à un moment donné, vous, dans votre esprit, quand vous voyez cette personne dans votre esprit, c'est Emmanuel, c'est moi qui sonne, c'est que Emmanuel donne la tête de dire, là, ça, c'est le Emmanuel en qui il croit. C'est l'Emmanuel, c'est celui-là, mais d'où lui vient son pouvoir. Là où d'où lui vient son pouvoir, là, c'est ce qui va prêcher le plus. C'est ce qui va prêcher le plus. Par exemple, quelqu'un va dire que, oh, moi, j'adore le Dieu de Moïse. Et la personne va beaucoup parler de Dieu de Moïse. Vous voyez, non? Beaucoup parler de Dieu de Moïse. Sans même parler de Jésus-Christ. C'est comme les gens de Christ, de témoins de Jéhovah. Eux parlent beaucoup de Jéhovah. C'est-à-dire que c'est un Jéhovah et ils croient. Donc, comme vous les voyez là, ne passez même pas à côté d'eux avec le nom de Jésus. Parce qu'ils ne croient pas en lui. Donc, à partir de cet instant, vous pouvez identifier qui adore le vrai Dieu. Qui adore qui et qui est dans quoi. Vous voyez, non? Maintenant, c'est à vous de voir et de chercher et de comprendre ce qui se passe autour de vous. Sinon, hein, comme je vous dis, que le fait que Tibi choisisse ou pas le nom de Jésus, vraiment, ce n'est pas le problème. Le problème, là, c'est de vous poser la question de savoir, mais quel était ce voix là? Quel est le nom qu'il disait le plus? Et quel est ce nom-là que beaucoup de personnes ont retenu? Quel est ce nom-là que, lorsque les gens le voient, ils pensent en même temps à cela? Vous voyez, non? Par exemple, ici, sur Nyon-sur-Bonne, quand vous arrivez, vous cliquez sur Nyon-sur-Bonne, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir, Jésus est mon seul sauveur. Et je vous parle beaucoup de Jésus. Je vous dis qu'il est fort. Je parle bien de lui. Je dis bien son nom. Je parle bien de lui. Je l'honore. Vous voyez, non? Ça veut dire que toutes les personnes qui regardent les vidéos de Nyon-sur-Bonne savent que lui, là, c'est un gars de Jésus. Dès qu'ils me voient en même temps, ils se disent, ah, Nyon-sur-Bonne est un gars de Jésus. Vous voyez, non? Parce que je dis beaucoup son nom. Je parle beaucoup son nom. Ça, faut pas oublier cela. Il faut vraiment retenir cela. Cette affaire de Tibi-Yoshua réveille beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses à ne pas négliger.
quand les gens viennent dire que Tibi Yeshua dit le nom de Jésus-Christ, non, Tibi Yeshua ne dit pas le nom de Jésus-Christ. Pourquoi ne dit pas le nom de Jésus-Christ? S'il ne dit pas le nom de Jésus-Christ, c'est qu'il y a un autre Dieu qui l'adore, qui n'est pas Jésus-Christ. C'était pas un vrai chrétien. Il n'était pas abonné à Jésus. Donc, c'est que c'était un faux prophète. Si vous voulez aller chercher pour voir, ça, c'est ce que les gens sont dit. Ce que les gens sont dit comme ça, là, ce ne sont pas des choses à négliger. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est de chercher à savoir quel est le nom qu'il utilisait le plus quand il prêchait. Quel est le nom dont il parlait le plus. Donc, quand il était en train d'adorer Dieu, en parenthèse, en guillemets, chez lui. S'il adorait Dieu vraiment ou pas, c'est à vous de vérifier. Mais, n'oubliez pas ce que Dieu vous a dit. Dieu vous a dit, Dieu nous a tous dit ici, que nous allons reconnaître les vrais et les faux prophètes par leurs œuvres. Par leurs œuvres. C'est-à-dire, en regardant ce qu'ils sont en train de faire, ou bien ce qu'ils viennent de faire ce dimanche à l'église, vous allez avoir des signes, beaucoup de signes, qui vont vous permettre de savoir si ce sont des vrais prophètes ou des faux. Maintenant, à vous de connaître les signes-là. Parmi ces signes-là, il y a ces signes dont je vais vous parler. Ce signe-là, ne les négligez pas. Quel est le nom dont la personne là parle beaucoup? Quel est le nom dont ce soi-disant prophète prêche beaucoup? Si ce nom-là n'est pas Jésus, ou bien n'est pas le Dieu très haut, le vrai Dieu très haut, c'est que cette personne est donc faux, déjà pour commencer. Ouais, non. C'est comme ça qu'on détecte un peu les faux prophètes. Mais je pense que je vais vous dire encore plus de choses. Si vous voulez en savoir plus, laissez beaucoup de j'aime, abonnez-vous et posez-moi vos questions pour que la prochaine vidéo soit plus précise. Ouais, non. C'est à vous de jouer. Waouh, c'était extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâtiment bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti.